Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Turfaire. Ce jeudi 17 mars, direction la Normandie avec les trotteurs en réunion sur l'hippodrome de Caen. En marge du Quintet Plus qui sera l'épreuve d'ouverture, je me suis intéressé à la 8e course du programme, une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 et 7 ans. Des concurrents bien connus et d'un bon niveau. Ils sont 11 à en découdre sur 2200 mètres. Départ donné à l'aide de l'autostart est prévu aux alentours de 17h55. Dans cette course, j'ai retenu pour vous le numéro 6, Gaspard. C'est un cheval qui vient de fournir une fin de course très séduisante sur cette même piste de Caen. C'était dans un Quintet Plus disputé il y a 10 jours. Il terminait 5e à l'issue vraiment d'un bel effort final. C'était en compagnie de son entraîneur Clément Thomas. Cette fois-ci, ce sera David, son frère, au sulky. En général, lorsque David Thomas est au sulky, c'est un signe de confiance. Il sera une nouvelle fois déféré des antérieurs. Le cheval est vraiment revenu en forme, hein, comme le prouvent ses deux dernières sorties. Là, l'engagement est vraiment intéressant. Le numéro 6 derrière la voiture, ça ne me dérange pas non plus, c'est vraiment bien. Ils ne sont pas beaucoup au départ, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Maintenant, c'est un attentiste, il faut que ça se passe bien. Si ça se passe bien, il peut même gagner à mon sens, car vraiment sa dernière fin de course m'a beaucoup plu. Moi, je vous conseille de jouer en jeu simple gagnant placé. 2 euros gagnant et 4 euros placés. Voilà, c'est mon conseil de jeu pour ce jeudi à 17 mars sur l'hippodrome de Caen en Réunion. Il s'agit du 806 Gaspard. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. Bye bye!